eu combien? T'as 10 heures de français, toi, hein? Ça va pas, non? Bah quoi? Au Moyen-Orient, c'est un signe de respect de rôter à table. C'est une manière de dire que le repas était bon, voilà. Ah ouais? Bah chez les guerriers Maasai, on demande aux jeunes garçons de tuer un lion pour devenir adulte. Tu veux qu'on aille à Thoiry et que je te balance dans la fosse au lion? Pardon. Et tu débarrasses, s'il te plaît, parce que chez les papous... Ah, c'est bon, s'il te plaît. Stop. C'est quoi? Devine. Le bulletin du deuxième trimestre, ça donne quoi? Ça donne quoi? Non mais tu le fous de moi quoi là? 7 en maths, 8 en français, re 8 en histoire géo, SVT absente. Explique-moi comment tu peux être absente en SVT tout un trimestre? J'étais absente juste pour les contrôles. Fais bien attention au ton pot avec moi Laetitia Martin, et je te le dis tout de suite. Hein. Oui madame. Fais gaffe, hein, je te jure fais gaffe, parce que les notes c'est rien. Le pire, c'est les appréciations. Non, mais attends. Alors, bravo, Laetitia Martinet, vous avez réussi à faire pire que le trimestre dernier. Ne sautez que quand on l'interroge. Continuez comme ça, vous allez avoir une extraordinaire carrière dans la télé-réalité. C'est une catastrophe, Laetitia. Une catastrophe. Histoire-géographie, 6, réussi à bavarder même tout seul. C'est quoi ça? Martinet Gabriel, seconde B. Ça a l'air d'être ton bulletin. Bon. Français, 7, comme moi. Biologie, ça doit être ton SVT de l'époque. Hein. Pas de notes. Gabriel mériterait sûrement une appréciation s'il venait en cours de temps en temps. Hâte de le rencontrer. Bon, qui c'est qui t'a donné ça? Attends, c'est pas fini. Mathématiques, 7. Se croit drôle. En effet, on se marre bien en voyant ses notes. Bon, qui c'est qui t'a donné ça, bordel? Ah. C'est mamie? Non, je protège mes sources. Ouais, ok, d'accord, c'est mamie. Bah, hey, tu sais quoi? Elle va m'entendre. Ma parole qu'elle va m'entendre. Et alors toi, mais toi, je te jure que tu... Non, mais tu peux le garder, hein. Ça, c'est une copie. Les originales, elles sont hors de prix. À moins que tu veuilles que je le passe à Paul. Et des gens disent les originaux? T'as de la flotte dans le cerveau ou quoi? Vraiment dans la grand-mère. D'accord, mais par contre, ouais, la réunion, je préfère que tu la cales à 8h. Hein. Ouais, j'en ai parlé à Barbara, c'est mieux, ça laisse le temps. Je te remercie, ciao. T'es un chinois, Isabelle? Ah, dans mon équipe de boulot? Bah, ça a failli se faire, j'en avais rencontré 2-3, mais finalement, très vite, je m'étais aperçue qu'au niveau des bilans comptables et des techniques de management, c'était pas des foudres de guerre, en fait. On dit toujours qu'ils sont super forts, mais ça dépend des domaines. Hein. Moi, je vois, par exemple, en management, faut pas se laisser berner. Non, moi, mais pense... de quoi tu me parles, là? Parce que moi, j'ai besoin d'un chinois, d'une passoire, quoi. Tu sais, y a pas que le travail dans la vie, hein, Isabelle? Pauvre femme. Bon, enfin, c'est pas grave. Je vais me débrouiller toute seule, comme d'habitude. Non, mais je vais me débrouiller. Comme d'habitude. Allez, plus que 3 jours.